Si vous avez envie de briser la glace, de refroidir vos idées, que vous n'avez pas froid aux yeux, que vous avez envie de fêter le carnaval d'une manière vivifiante, en retirant tous les bienfaits pour la santé, pour votre bien-être et pour booster votre système immunitaire, eh bien vous êtes au bon endroit. C'est parti pour le carnaval des morses à la Gemmerie, ici à Arnages. Allez, on y va. On vient d'arriver à la Gemmerie à Arnages, évidemment. Je vous l'ai dit, il y a des fous qui se baignent en plein hiver. Hein. Enfin, des fous, non, ils sont super courageux, surtout. Et donc, je crois que le responsable, Guillaume Chenon, est parmi eux. Enfin, il ressemble à une sirène, alors je vais aller le voir. Guillaume, c'est vous, Guillaume? Oui, c'est moi, Guillaume. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, et vous? Bah oui, c'est votre équipe, c'est les baigneurs du... Alors, c'est l'équipe de runners, ceux-là, et qui se baignent aussi avec nous, ouais, c'est ça. Bon bah c'est formidable, oui c'est pour ça qu'ils sont pas déguisés. Ils sont pas encore déguisés mais certains le sont déjà. Ah si, on a une bécassine un petit peu. C'est ça, une marine, marinière. Une marine, voilà. Alors évidemment Guillaume ne s'habille pas comme ça en temps normal, ce n'est pas une sirène hein, je précise. C'est dans le cadre du carnaval des morses. Donc Guillaume vous êtes l'organisateur de cet événement? Exactement, c'est ça. Alors comment ça vous est venu, comment sont nées les morses de la Gemmerie? Alors moi j'ai découvert la baignade hivernale en Pologne en 2016. Et parce que j'ai un groupe de coureurs là-bas et c'est très populaire là-bas la baignade et donc ils m'ont incité à venir avec eux se baigner. Au départ je me suis dit ils sont complètement fous, jamais de la vie. Je pensais même que c'était dangereux pour la santé et ils m'ont expliqué que c'était au contraire très bon pour la santé. Et donc finalement je me suis lancé et maintenant j'en suis accro. Alors justement, alors puisqu'on parle des bienfaits que ça a pour la santé, quels sont-ils? Alors d'abord ça renforce les défenses immunitaires. C'est-à-dire que depuis que je fais ça, je suis beaucoup moins malade en hiver, j'ai moins de bronchites. J'avais des bronchites à répétition, maintenant j'ai plus ça. Et pour les sportifs, c'est très bon pour la récupération. Voilà, ça limite les inflammations et voilà, c'est bon, ça évite les contusions aussi. Donc comme la cryothérapie en fait, c'est le traitement par le froid. Très bien. Et alors du coup, j'imagine qu'il y a... Il faut faire attention, il y a peut-être des choses à faire pour se prémunir de, je sais pas, parce que quand on va dans l'eau froide d'un coup, on peut faire une hydrocution. Alors, une hydrocution peut-être pas, parce que là, les différences de température ne sont pas aussi importantes. Par contre, c'est bien de s'échauffer avant d'aller dans l'eau, parce que quand on entre dans l'eau, on a une restriction des canaux sanguins qui s'opère, et donc il faut absolument dilater. Tétanise ? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, il faut dilater les canaux sanguins en s'échauffant avant d'aller dans l'eau. C'est un peu bizarre, mais il faut entrer dans l'eau déjà échauffé. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple? Il faut courir, parce qu'il y a des gens qui ne courent pas. Voilà. Donc, pour s'échauffer, il y a des mouvements spécifiques? Non. Hein, simplement faire des squats ou un peu de crossfit sur la plage avant d'entrer dans l'eau. Et ça fait l'affaire. Mais ici, à la Gemmerie, on a la chance d'avoir un lac qui n'est pas trop grand. Donc, on fait un tour de lac avant d'entrer dans l'eau pour s'échauffer. Très bien. Alors, et du coup, les morses donc, de la Gemmerie, oui. Ça se passe comment? Vous vous entraînez? C'est plusieurs fois par semaine? C'est le rythme? Alors, c'est deux fois par semaine. En fait, c'est arrivé ici en Sarthe parce que je faisais régulièrement ça en Pologne à chaque vacances scolaires. Pourquoi la Pologne? Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Non, mais parce que c'est vraiment mes amis polonais qui m'ont initié d'abord à la course à pied et ensuite à la baignade hivernale. Voilà. Et pendant le confinement, les frontières étaient fermées. De novembre 2020 à juin 2021. Et donc je me suis dit non, je ne vais pas passer tout l'hiver sans aller me baigner l'hiver. Et j'ai commencé à tanner les copains du travail, les copains de la course à pied du dimanche. Et c'est pour ça qu'on a commencé le vendredi soir avec le collègue de boulot le plus et le dimanche matin donc avec les runners du dimanche, voilà, et pour la récupération. Ah, c'est formidable. Est-ce que ça se rapproche de la technique Wim Hof? On entend beaucoup parler de ça, donc les gens qui se plongent dans des glaçons en fait. Complètement, c'est exactement ça. C'est vraiment pour développer aussi sa résilience et sa résistance. Ouais. Donc du coup, il paraît que ça développe aussi la capacité respiratoire. Oui, c'est ça. C'est ce que a démontré Wim Hof en fait par sa méthode. D'ailleurs, il habite en Pologne, dans le sud de la Pologne. Ah, c'est rigolo parce que je pensais que ça se rapprochait plutôt des pays le Danemark, la Suède, tout ça. Les pays scandinaves également, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. Mais les pays de l'Est, la Russie, la Biélorussie, la Pologne pratiquent beaucoup aussi la baignade hivernale. Ouais. En même temps, ils ont des températures qui s'y prêtent. Hein, exactement, exactement. Oui, qu'on a des hivers rudes comme ça. Oui, souvent en Pologne, on casse la glace d'ailleurs avant d'aller dans l'eau. C'est-à-dire qu'on court avec des haches et on casse la glace pour entrer dans l'eau. Ouais. Ah bah ça c'est bien pour s'échauffer aussi, voilà. De briser la glace. Et alors donc les morses, vous êtes combien au total à peu près? Alors depuis la première fois c'était le 3 décembre 2020. On n'était que deux à se baigner. Et petit à petit, en fait, ça a éveillé les curiosités. Au bout d'un an, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées ou curieuses, donc j'ai créé une page Facebook.
donc les morses de la Gémerie. Et depuis, on est plus de 170 à s'être baigné ici. Et on a plus de 400 followers sur Facebook maintenant. C'est beau, dites donc. C'est bien parce qu'on va vous voir à l'action. Les déguisements sont plutôt sympathiques. Mais alors donc, vous allez vous baigner comme ça en sirène et tout ça? Aujourd'hui, oui, pour l'occasion du carnaval, on va se baigner déguisé. Déjà, rentrer dans l'eau froide, c'est une chose. Mais alors en plus, accoutré comme ça, c'est lourd les vêtements. Alors c'est lourd et surtout, le froid, ça tient beaucoup plus le froid au corps. Malheureusement, voilà, le mieux, c'est d'y aller le moins vêtu possible. Alors l'eau, elle est à combien aujourd'hui? J'ai pas encore mesuré, elle était vendredi à 10 degrés, à peine 10. Donc je pense qu'elle sera à peu près pareil, quoi. Donc si c'est 10, on reste une minute par degré, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors ici, on a une tradition, c'est qu'on reste d'abord une minute par degré, donc là, peut-être 10 minutes, on sort, on recourt un peu sur la plage et on entre une deuxième fois dans l'eau. Et la deuxième fois, la sensation est complètement différente. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus le froid, tous nos petits capteurs thermosensibles sont anesthésiés et la deuxième fois, on rentre dans l'eau beaucoup plus facilement. C'est que du bonheur. Que du bonheur, voilà. Vous êtes des dingues. Ils sont complètement barjots, hein. Bon, bah écoutez, on va vous voir à l'action parce que c'est bien beau de tatasser, on cause. On se déguise en sirène, mais on va voir si véritablement ça rentre dans l'eau. On va voir ça. Ah bah alors ça c'est pas mal, on est dimanche et je reconnais un visage que vous connaissez tous évidemment à la maison, c'est Laure Girard, notre rédactrice en chef. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement Laure? Pas du tout, je suis Maître Yoda, vous le voyez bien. Ah Maître Yoda, mais qu'est-ce que je suis contente de faire votre connaissance, je suis fan de la Guerre des Étoiles. Et moi aussi. Ça se passe bien, on s'échauffe là. Alors là on fait un peu des squats, on fait des mouvements, parce que l'organisateur nous a dit qu'il fallait quand même être un peu échauffé, avoir fait un peu de cardio, là ça pulse bien. Et j'ai la chanson de Staying Alive dans la tête, en fait, pour être honnête. On peut la chanter un petit morceau. Ha, 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 staying alive, staying alive, ha, 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 staying alive. Et vous avez vos choristes en plus, c'est ouais. Non, c'est génial. On se motive comme on peut, on a le bout du nez un petit peu rouge. Hein. On a le bout du nez un peu rouge, il pleut, c'est pas très grave. Parce qu'il fait pas si froid que ça, je me dis que c'est le vent qui doit être problématique. Mais là, ça passe, on va y aller, hein, tranquille. Laure, c'est une grande première pour... Je la tutoie, évidemment, c'est ma collègue. C'est une grande première pour toi? Bah oui, c'est une grande première. Je suis pas folle à ce point. Il y a carnage, qu'on est fou comme ça pour le carnaval. C'est incroyable. Mais pourquoi t'es tombée de ton lit? T'es venue faire une baignade comme ça? Alors, je suis pas vraiment tombée de mon lit, non. C'est en fait... c'était pas vraiment à Paris, mais mes gentils collègues de la MTV m'ont lancé un défi. Ils savent pas à qui ils s'adressent, hein. Ils savent pas à qui ils s'adressent. À Maître Yoda. Donc Maître Yoda en toutes circonstances, prend sur lui. Après tout, le froid n'est qu'une information. Ça n'est qu'une information. Nous n'avons pas froid. Voilà. C'est pour ça qu'on bouge. Hein. C'est pour ça qu'on bouge. Et bon ben voilà, donc Laure elle va nous démontrer qu'elle relève tous les défis. Elle va se baigner. Je suis super fan, hein, bravo. Hein. Merci pour tes encouragements et je débrieferai tout le monde la semaine prochaine pour savoir si j'ai le rhume ou pas, mais je pense pas, franchement ça ira. Ah non, il paraît que ça booste le système immunitaire, donc il n'y aura pas de rhume du tout. C'est ça. Voilà, allez, bravo. Je continue mon échauffement. Ouais, ouais. Bon, après les amateurs, on retrouve les championnes. Hein. Elle a un stade à son nom à Champagné, championne de trail, enfin c'est fantastique, ça va? Oui, très bien, super. Alors bah, je suis allée faire ma petite sortie de 22 km avec mon club. Dit-elle tout tranquillement, 22 km. Et puis bah, là, je viens faire ma petite séance de récup avec les morses. Bon, mais c'est formidable, et c'est souvent ça, les morses? C'est la troisième séance. En fait, j'ai découvert ça en rendez-vous sur Facebook et j'avais très envie de venir et j'ai essayé il y a 3 semaines et c'est essayer, c'est l'adopter. Donc, je reviens. Donc là, en grande professionnelle, là, pour le coup du sport, vous confirmez que tous les bienfaits donc, du fait de se baigner dans l'eau froide? Alors j'avais déjà testé avec la cryo, bon c'est un autre concept, mais en vrai ce qui est sympa c'est le petit défi, on est tous un peu sportifs et un peu maboule, donc du coup c'est de se dire ah ben non mais je sortirai pas le premier, et puis après le petit coup convivial derrière, non c'est extra, j'adore. Bon ben c'est super, mais écoutez on a hâte de vous voir à l'action vous aussi, hein. A priori ça a pas l'air de l'effrayer, hein. Tout va bien, bon ben super, top, bravo. À tout à l'heure. J'ai trouvé Pamela Anderson, elle est là. Pamela, how are you? Oh, I'm fine. It's very, very, very boaty fuel. How do you know the Sarthe? Très bien. Really? Yes, I really, really. I know the Sarthe is beautiful. C'est tout. Ok, et sinon ça se passe bien au niveau de... On est une habituée, on est une morse depuis longtemps? Non, pas depuis longtemps, ça fait un mois, mais c'est... Ça fait un bien fou. Donc ça va durer très 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 longtemps. En tout cas, vous le vendez super bien, bonne humeur, la pêche. Oui, ça donne la pêche. Ouais. C'est ça, ça donne la pêche, venir,
se dire qu'on va dans l'eau et alors les bienfaits à la sortie, royal. Voilà. On se sent revigoré ? Ah oui, revigoré. Le sommeil, il est meilleur, même en trois fois. Hein. Et ça donne c'est bien pour les artères, la peau, tout. On est vraiment très très bien. Écoutez, alors vous recommandez à nos téléspectateurs, Ah mais à tout le monde. Donc c'est quand vous baignez une fois par semaine, c'est oui. ça Alors le vendredi soir, possibilité le vendredi soir ou le dimanche matin à 11h30 ici. Et vous préférez quoi vous? Le dimanche matin. Ah, okay. Ah ouais, le dimanche matin. C'est génial. C'est quoi votre petit nom en fait? Christine. On aime Christine, on adore. Voilà. Donc c'est Pamela Christine. Pamela Christine. From Malibu. From Malibu. In the Jamerie. In Jamerie. Beaucoup aimé baignade, franchement, nickel. C'est bon, j'ai retrouvé Laure, j'ai retrouvé Guillaume, ça va? Ça va bien, ça va mieux. Ouais. Oui. Ça avait l'air d'aller bien se passer dans l'eau quand même. Ouais, très bien, très bien. Et aujourd'hui, la température extérieure est la même que de celle de l'eau, donc on est à peu près, on est bien. Bon, Laure, le défi a été relevé, bravo. J'ai le sourire, franchement on s'en sent super bien. C'est vraiment psychologique le fait de rentrer dans l'eau, c'est ce que me disait Guillaume, mais c'est très vrai en fait, c'est un coup à prendre, il faut rentrer, il ne faut pas réfléchir, y aller. Et au début ça pique, et là je suis hyper bien, j'y retournerai presque, hein. Franchement. Elle a nagé. Et j'ai nagé, vous en êtes témoin. C'est formidable, alors du coup on donne un petit rendez-vous à ceux qui voudraient s'y essayer là, puisque a priori c'est toutes les semaines cette affaire. Alors toutes les semaines, deux fois par semaine, les vendredis à 17h et les dimanches à 11h30. Voilà, donc rendez-vous est pris, hein. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire à la maison. Et moi les... J'aimerais à Arnage, voilà. C'est le top, et je crois qu'en plus c'est bon pour ça raffermit la peau, tout ça, la cellulite, tout ça. C'est bon pour la détente. Ça oxygène, voilà. Bon, mais très bien. C'est bien. Écoutez, nous, on va les quitter. C'est sympa, Arnage, mais maintenant, on file au Mans. Voilà, on va découvrir une belle revue, la revue de la flambée. Allez, c'est parti.